faire du God of War en FR. On est sur Pokémon, les Dilo parlent en même temps. On a eu un énorme raid de Super Brioche. Hein, il nous a ramené Super Brioche, mais trop mignon comme pseudo. Mais oui, très gentil. Une fois, j'ai essayé de faire de la brioche, c'était dégueulasse. Ah. Non mais... Non mais... Alors, je précise. En fait, quand tu recherches des recettes un petit peu de pâtisserie sucrée, de boulangerie sucrée plutôt, à faire soi-même sur Internet, bah, tu peux être sûr que ça aura toujours le goût de la levure boulangère à chaque fois. Tout ce que tu feras, ça dégoûte. Voilà. Mais j'adore les brioches, sinon. Mais j'achèterai dans le commerce maintenant. Alors, paramètres. J'ai oublié. Qu'est-ce que j'avais fait, moi? Il y a un des viewers de Super Brioche qui dit Karasu. De rire, ces infos sont super utiles, dites-moi. Oui. Non, mais faites... Alors, je vais vous... Dans mes petits tips, si vous voyez des recettes aussi pour faire des beignets, sachez que vous en ferez des super pour Insta, mais qui seront immangeables. Voilà. Mais ils seront très beaux. Ah ouais, non mais... Non mais j'ai fait ça il y a 2 semaines, on a essayé de faire des beignets, on y a passé la journée puisqu'il fallait faire reposer, machin, c'était très long, très chiant. Résultat, c'était dégueu. Merci beaucoup Karasu de la Team Okabe pour le follow, c'est très gentil, merci. Alors moi j'ai un petit tips aussi si tu veux. Moi j'arrive pas à me concentrer sur ce que je dois faire, je devais faire quoi? Bah me trouver un code pour que je te rejoigne en multi. Ah ouais, tout à fait. Si tu veux... Level up tes Pokémon en mode rapide, hein, tu sais, pas entrer dans un combat à chaque fois, enfin c'est long. Ah oui, le mode auto là. Ouais, le mode auto, tu prends un Pokémon un peu plus puissant quand même pour que tu sois sûr qu'il est one shot. Mais par contre, c'est soporifique, hein, mets-toi dans ton lit et tu t'endors, hein, c'est génial. Un autre Pokémon. J'ai mis ça et hop. Non, mais vraiment, il y a des symboles sur la map, c'est des symboles de la police fédérale à Bruxelles. Enfin, en Belgique, bref. Ouais, sur la map, tu vois la sorte de vague bleue et blanche, et ben ça c'est complètement, tu mets ça, ah ben tu le verras peut-être pas, ah si voilà, les vagues bleues et blanches, et ben tu mets ça à la verticale, c'est quasiment le symbole de la police fédérale belge. Voilà. Bleu et blanche, les vagues bleues et blanches. Ouais, les symboles bleus. Les petites ailes. Oui, les petites ailes. Ah, c'est ça qui m'a permis de me TP. Ah, c'est les TP, ok. Oui. Pourquoi quand je fais Poké Portail, je peux pas? Il me dit que je peux pas actuellement, ah je peux peut-être pas dans l'école. Vous devez explorer à l'académie. Mais laisse-moi tranquille, Juvi. Y a moyen que tu me streames ton jeu encore là sur... Ah oui, tout à fait, je vais faire ça. De ce pas là, hop, clic gauche sur mon... Hop, clic gauche. Objet, clic gauche. Là, je clic gauche encore, hop. Vas-y, je clic gauche bien. Il me dit que je dois explorer l'académie, il veut pas que je fasse de l'internet. Oui, t'es obligé. Sur l'écran. Ouais, qu'importe, il y a des écrans. Ah, ces écrans-là. Et tu vas voir le directeur. Où voulez-vous aller? Et là, le bureau du proviseur. J'ai tellement envie de te spoiler sur ce qui va se passer, mais tu vas voir par la suite. Et alors, miam! Miam, miam! Tu vas voir. Let's go. Ah, mademoiselle Locke, vous voici enfin. Alors, trouvez-vous l'Académie Raisin à votre goût? Ah, j'aime bien le raisin, ouais. Non! De quoi, le vin fermenté ou le vin en fruits dans un bol sur la table? Ah, disons que j'aime pas les pépins, donc je... T'as moins de surprise avec le vin. Je suis attristée de l'apprendre. J'aime bien. Mais sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste toujours à votre disposition. Maître de mondanité... Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Parce que j'ai séché les 2 premières semaines de cours. Une personne qui m'est chère vous souhaite s'entretenir avec vous sur un sujet fort important. D'ailleurs, j'attends trop. Est-ce que tu... Les choix où il faut dire non, là. Ou toi, t'as envie de dire non. J'ai trop envie d'entendre ça. Moi, je dis non toujours. T'inquiète. Ah ben non, mais c'était ça, justement. C'était ce moment-là quand le mec, il t'a dit comment vous vous plaisez dans l'école. J'ai dit non. Il me dit ça m'attriste. Ça m'attriste d'apprendre cette... ça m'attriste d'apprendre cette nouvelle. Je voulais trop entendre la réaction du mec. Inutile de chercher, elle n'est pas là. Un instant, j'établis la connexion. Ah d'accord, bah moi aussi j'essaye. Hein. Vas-y, va voir la miam. Il établit la connexion. Oh, ça marche. Je pensais... J'ai la réaction de Dilo. J'aime beaucoup. Attends, je trouve une voix. «
Si je fais un truc comme ça... Non, ça va être chelou. Un truc comme ça et comme ça. J'y arrive pas. Voilà. Oui, c'est bien comme ça. Eh, bonjour Alex, ravi de te rencontrer. Eh, je m'appelle Turum. Et avec moi, Sarum. J'ai étudié Pokémon dans un lieu appelé à la zone 0, fond du cratère Paldea. Tu lui fais pas justice là. Hein. Effectivement. Il me montre une vieille photo de cratère à la place de sa tronche. Ma dernière. Là pour qu'on le voit. La dernière acné. Ah mince, Turum est un professeur Pokémon émérite, sa diplômée de notre établissement. Oui, bah oui, émérite, hein, je les connais, vos diplômés, vos maîtres et compagnie. Hein. Ils ont eu son niveau 8. Me permet de rentrer dans le vif du sujet, dossier scolaire plaintif. Peux-tu confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange nommé Miradon? Non! Inutile de mentir. Oh. Comment il sache? J'ai vu encore. Ah mince! Ah mince, j'ai plus ma voix! Ah, j'ai changé. Ah non! J'ai modifié ma voix! Oh non, c'est terrible! Merde! Merde, du coup, je suis bloquée. Oh bah, du coup, je sais plus quelle voix j'avais faite, ça devait être. J'ai vu un compagnie qui s'est bloqué, man. Là, il en a vraiment marre. Ah, c'est bon, il est parti? Oh, il en a marre de. Hein? Hein? Bon, zut! Mais pas attention de te punir! Donc, parce que j'ai un Pokémon? Je souhaite au contraire que tu me prennes ma forte. Mais ma GoXLR, elle déconne, elle fait des bleu bleu bleu. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, d'accord. Groua. Du coup, quoi, comme ajout de quoi qu'on joue ensemble ou. Ça fait donc que tu n'avais pas vu, j'ai contacté bien. Mais voilà, elle marche pas là! Qu'on va pouvoir jouer ensemble dès qu'elle a fini son petit truc. Merde, mais ça marche plus. Oh, et puis merde, mais voix elle marche plus, qu'est-ce qui se passe? Merde. Merde. Voilà, comme ça, comme ça. Non, non, ça c'était horrible. Non, fais pas l'enfant, parce que là ça... Merde, t'as Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. Il est nul en responsabilité, va. Le type. Un Pokéball qui est associé à ma partie aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné. Allez, dans la situation actuelle, je me permets de ne pas m'occuper de lui. C'est pas cool. Abandon du papa. C'est pour cela que je souhaite te confier. Acceptes-tu cette mission? Non. Mais donc c'est lui le père? Ouais, c'est lui le père du Pokémon. J'en sais rien Pokémon. En fait. Ah oui, non. Ce que je dis. Bref, hein, voilà. Pourtant, le comportement de Miradon à ton égard semble indiquer que tu fais preuve d'une grande gentillesse envers ce Pokémon. J'ai littéralement eu aucune interaction avec depuis que je l'ai. Et en gros, il m'a servi à rien. En gros, je l'ai mis dans une Pokéball et hop, voilà. C'est vrai que tu as fait un sandwich. Ça dit, Miradon est grandement affaibli, il ne veut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture, mais il lui faudra du temps avant qu'il ne retrouve tout son potentiel. La forme monture. Veux-tu sortir ton momotismar? Je vais te donner mes coordonnées. Ah oh, ça y est, ça me donne tout de suite son numéro, à peine je le connais, le type. Je resterai en contact avec toi pour suivre ta progression. C'est super. Pardon. Je crois que j'ai fait beaucoup de bruit en buvant. Ah, je crois que c'était mute, non? Je sais pas. Ah bah tant mieux. Très bientôt. Graou. Ce Pokémon viendrait donc de la zone 0. Toum, ne me dites pas que... Il est parti, vieil homme. La télé, elle est éteinte. Le téléphone, il est éteint. Le monsieur dans le téléphone, il est plus là. Il semble que le professeur vous a confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider à toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Miradon. Oui, bah scolarité, oui. Oh non, mais moi l'école c'est tellement... C'est vraiment, c'est à compte de fou. Maintenant je m'en vais. Ah donc là tu l'as fini, ok.
Bonjour. Ah, te voilà, je cherchais. T'as été convoqué chez le proviseur. La honte. Il se devait. T'inquiète, je rigole. C'est bien que t'es pas du genre à faire des bêtises. Je te connais depuis à peu près 2 heures, alors. Enfin, monsieur Jack m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre. Car oui, t'en as une pour toi toute seule, hein. Allez, on y va. J'ai trop hâte que tu vois ta chambre. Aïe, youpi. On est trop des papelles. Bah, allons dans ma chambre, alors. J'ai pas le choix. De toute façon, le jeu, il m'impose mon itinéraire. Ça dégoûte. Oh, j'ai un bonnet, il est beaucoup trop grand. Tadam! Bienvenue dans ta chambre, Lax. Enfin, je t'invite comme si on était chez moi, mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Oui, le lit, moi, je le trouve trop mal placé. Mais oui, en plus, il est dans le mauvais sens. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ce placement de lit bidon, là? Tu vas être fatigué, c'est la première journée d'école bien mouvementée. On a eu qu'une journée, là. Et 3 semaines, arrête de mentir. Tu peux être reposé dans ton lit, si tu veux. Tu vas me regarder dormir. Arrête, ça vous permettra à tes Pokémon de récupérer toute votre énergie. Sur ce, repose-toi bien. Non, faut que tu sois enfin pour nos futurs combats. Non. J'ai vu l'échec. Non. Attends des moves, attends des moves. Allez, je me repose. Bon, ouais, du coup, là, après, il faut ressortir. Hein. Dès que la journée passe. Mais ça, en petit écran, parce que moi, je l'ai fait sur le petit écran. En petit écran, ouais, ça passe. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Mais par contre, aujourd'hui, je les vois pas du tout, une grande aventure. Autant c'est oui, pas hein. mal quand tu regardes sur le petit écran, mais les mobs qui sont dans le gazon, tu ne les vois pas. Enfin, tu les vois, mais tu les distingues pas. Tu sais pas qui... Tu sais pas ce que c'est, en fait. Ouais, et c'est terrible. Oh merde, qu'est-ce que c'est? Oula, c'était pas du tout ça que je voulais faire comme voix, je suis navée. À l'attention de tous les élèves, la saison du projet extrascolaire est terminée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. Non mais Mandy, dégage de chez ma chambre! Enfin, j'attends avec ça! C'est une stalkeuse un peu, hein. Le projet extrascolaire, c'est trop bien. Allez, on va dans la cour, vite. Bonsoir Silence, comment vas-tu? Elle m'embête, la dame. Merde, je pensais que t'étais sur mon chat. Allez, Silence, comment vas-tu? Elle a demandé Gilo. Ouais, désolée. Non, mais c'est trop mignon. Bah tiens, je vais dire bonjour à ton chat. Bonjour, Xday 9. C'est trop laborieux, de lire d'autres pseudos. Défonce-la. J'avoue, je vais te défoncer, meuf. Mais en vrai. Présentation de projet extrascolaire se passe dans la cour. Hein. Où voulez-vous aller? Bah, dans la cour. Mais moi, je vais tremper dans le Pokémon. Je suppose que tout le monde est là. Très bien, je vais donc pouvoir présenter le projet extrascolaire de cette année. Le thème de ce projet sera la chasse au trésor. Ah bah comme l'année dernière, d'après ce que j'ai cru comprendre. Waouh, original. Explorez la région afin de trouver le trésor qui a le plus de valeur à vos yeux. L'amitié, bordel. Mais attends, il y avait un chien. Dans cette école, vous avez déjà pu acquérir de nombreuses connaissances. T'as un Kang. À présent, vous allez devoir observer le monde extérieur de vos propres yeux et l'étudier. Vous explorez la nature abondante de Paldea, découvrirez la richesse de sa culture. Vous croiserez les Pokémon qui y vivent et ferez la connaissance des habitants qui la peuplent. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être inscrite dans une école pour faire ça? J'ai une drogue, moi. Le nom du chien, mais en fait, non, c'est Grondog. Grondog? Ça me fait penser à Rodog. Ah non, mais c'est vrai. Voyagerez ensemble. Non, mais je veux pas voyager ensemble avec Mandy, là. Vous obtiendrez de nouvelles... Vous partagerez des émotions... Bon, bref, hein. C'est le discours... Si, il est nul, ton discours, vieil homme. Finirez par trouver des trucs. Projet extrascolaire vous aidera à progresser et à forger votre expérience personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? Oh! Arrête de tuer les Pokémon! Mais je comprends pas, il était. Mais tu es trop sauvage! Oh, mais on dirait un Taz! Ah, le Pokémon que t'attrapes, on dirait un Taz! Ouais, non, c'est oulé, celui qui fait oulé, oulé, oulé! C'est tellement ça! Non, mais je suis dégoûtée! Comment ça se fait qu'il se soit barré? Tu as encore jeté des pommes tendres? Eh, peut-être silence en vrai!
Peut-être, si ça peut les attirer. Je l'ai fait un petit peu dans Arceus. Oh, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon étrange? Oh, il est trop étrange. Génial, la haute pour avancer. C'est la deuxième mobilette. Hein. Ah, motorisard. Oh, mais fais un bruit de moteur, je déteste ça. Prenez soin de vous et approchez. N'approchez pas du cratère de Cadet sous aucun prétexte. Ah oui, n'approchez sous aucun prétexte. Vous en subirez les conséquences, mais comment tu le sauras, toi? T'as des drones? Allez, Lex, on y va! Non, mais je veux pas faire binôme avec toi. Pourquoi tu t'imposes à moi? Va trouver des amis de ton âge en plus. J'ai au moins 10 ans de moins que toi. La honte. J'aime bien, je vois un élève qui dit faut que j'achète un cahier. Je me demande bien pourquoi. On a rien écrit. Ah, mais en plus, moi j'avais assisté à un des cours. Je savais pas qu'il fallait aller dans le bureau initialement. Non, Cox, la chaise de trésor va commencer, c'est super! Vous trouvez quoi comme trésor? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, je vais dire ça. C'est vrai que c'est nouveau pour toi. Je vais t'expliquer. Non mais enfin une chasse au trésor, je comprends en fait. Hein. En fait, c'est pas une chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est les grands événements d'Académie Raisin. Ça s'appelle chasse au trésor, mais en fait, on cherche pas vraiment des trésors. Ah bah, d'accord. D'accord. Je vous déteste tous. L'idée de parcourir la région de Tadea et de vivre une aventure. Mais d'où on a besoin d'être inscrit à la fac pour faire ça? Tu peux par exemple te mesurer aux arènes ou alors aider les personnes qui en ont besoin. Ouais, donc au choix combat de rue ou assistante sociale quoi. Enfin, tu peux aussi chercher de vrais trésors, hein, c'est pas interdit. En gros, ça te permet d'apprendre plein de trucs qu'on nous enseigne pas à l'école. Mais on nous enseigne quoi à l'école du coup au final? À pas rester à l'école. T'as aussi un max d'occasion de te battre quoi, moi c'est la meilleure partie hein. D'ailleurs, tu me promets que si on se croise pendant la chasse au trésor, on fera un combat? Non! Et là, elle veut dire quoi? Elle dire ça. Elle sourit en tout cas. Elle me répond même pas! Et franchement, arrêtez de mettre des boîtes, des réponses possibles quand on. Quand il faut même pas. Il se faut même pas chier à faire une bulle au PNJ qui te répond. En fait, tu sais, tu pouvais marquer des lieux que tu veux visiter sur ton appli carte. Ouais, vas-y, fais comme si t'avais pas entendu que je voulais pas être ta pote. La dernière fois, je t'avais ajouté à la position des arènes, tu te rappelles? Si tu essayais de choisir comme destination. Non! Dis-moi d'où, même si tu fais du favoritisme. Un délégué qui aide une élève à tricher, c'est pas joli, joli, tout ça. Pépère! On est un peu œuvre là. Tricher, je vois pas de quoi tu parles. Je vais juste conseiller d'aller aux arènes. Après, elle fait comme elle veut en fait. Elle fait tout ce qu'elle veut d'abord. Donc c'est mieux à faire que de perdre son temps avec toi. Elle va m'aider à trouver des Pokémon dominants, alors je suis pas les épices, ça. Ah, ok. Et le projet? Bien plus intéressant que d'essayer d'atteindre le remède. Hein. Bah, surtout bon. Allez, viens avec moi dénicher les dominants et les épices secrètes qui se cachent. Mais tu sais qu'en vrai, toi non plus, je t'aime pas beaucoup, mec. Non mais oh, arrête de faire ça, là. Ça se fait trop pain. Bah quoi, c'est juste une proposition, après, fais ce qu'elle veut. C'est parce que tu disais tout à l'heure. Oh moti, moti, moti. Tout le monde m'appelle, ça dégoûte. Laissez-moi tranquille, laissez-moi réfléchir. Attendez, j'ai un appel. Comme ça. Ah ouais, mais faut que je mette un peu loin. Comme ça. Bonjour, Lox, Cassiopée, l'appareil. Tu te souviens de l'opération Stardust dont je t'ai parlé l'autre jour? Eh bien, j'ai plus d'informations à ce sujet. La Team Star est divisée en 5 équipes qui ont chacune un repère. J'attends de toi que tu te rendes dans chaque repère pour battre les boss qui sont à leur tête. J'imagine que leurs sbires vont tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Mais rassure-toi, même si je ne suis pas à tes côtés, je t'aiderai comme je pourrai. Attention, les boss sont des experts en Pokémon du type indiqué dans le nom de leur équipe. Mais je pense que tu seras à la hauteur. Je vois la position.
Et voilà, ça y est, les trois axes principaux se sont imposés. Objectif Stardust. Est-ce que je peux jouer maintenant? Tu me vois pas? Pas longtemps. Je vais peut-être faire juste comme ça. Ah, mais c'est horrible. C'était pas aussi horrible avant. Clac, 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 clac. Je sais que c'est beaucoup de demander, mais sache que je t'enverrai une récompense pour chaque boss que tu auras vaincu. Vaincu, ça en fait beaucoup. Non, mais t'es qui pour demander un truc pareil? La Team Star, c'est une bande de voyous. Je joue trop dangereux. En plus, ça a rien à voir avec ces histoires. Hein. Exactement, puis elle doit d'abord m'aider à trouver mes putains d'épices. On risque de répéter ce que vous avez dit, Locke se fait ce qu'elle veut, n'est-ce pas, Mandy? Paper. Ah, comment qu'est-ce que c'est le nom? Locke, je compte sur toi. C'est la mission de votre vie. Bon, c'est quoi ce délire? Nox, c'est cool que t'aies pu faire des amis, mais te mets pas en danger, ok? Allez, oublions et passons à des choses plus joyeuses, place à la voiture! Ouais, je vais partir avant des tout et dresser à raison, c'est ce que je connais. Je vais défier les meilleurs adversaires pour me faire un max d'XP. Pour moi, progresser en combat, c'est le plus précieux des trésors. Je pense commencer par faire le tour des arènes. Oui, pfff. Oh, tu... c'est demander ce que t'allais faire! Va-t'en, Mehdi, va-t'en! Tu fais comme tu veux. Oui, va-t'en. Plus précieux des trésors. Pour moi, ça fait aucun doute, c'est les épices secrètes. Hein. Si j'en trouve, je vais pouvoir te préparer des sandwichs au top. Ah, tes ambitions. Le mec, il veut nous acheter avec ses... le mec, il a des ambitions, c'est même pas pour... C'est faire des sandwichs. C'est... Genre, c'est le plus bidon des repas qui soit. Ah! Comment résister, hein? Aux arènes des neiges! Déjà, ils vont me plaider parce qu'il est un petit peu trop chaud. Voilà. Agrou! Oh, ouais, pourquoi il sort celui-là? Ah! C'est bon. Allez, je pense que c'est parce que t'avais un sandwich, hein. Qu'est-ce que tu crois? T'en auras pas. Agroua. Ouais, bon, allez. Et après, c'est de partir. Oui, bah, on l'est tous. Enfin, c'est vous, apparemment, qui êtes pressés de rien foutre. Allez, Pokémon Tour. Ouais! Je Pokémon en maths. Agroua. Là, tu vas être déçu. La chose d'apparence, elle ressemble vraiment beaucoup à un motorisard maintenant. Va-t'en, Mandy. Va te trouver une vie et des amis de ton âge. En tout cas, si tu veux partir à la recherche des dominants pour la sortie de l'Est. Non, Locke, je vais aller aux arènes de toute façon. Bah, vrai, dans ce cas, c'est mieux de prendre la sortie ouest. Hein. À l'Est, c'est un vrai labyrinthe, tu étais prêtre. J'ai une map, hein. Pff, n'importe quoi. Moi, je pars devant, t'aimes pas trop. Et moi, je vais aux arènes. Oui, vas-y. Fuyez. Chasse au trésor a commencé, merci. Je peux jouer le jeu? C'est un jeu vidéo, je veux jouer au jeu vidéo. Ah! C'est bon, je joue. Ok, bon bah voilà, c'est la vitesse. Yeah, c'est même pas la vitesse pour renverser quelqu'un. J'essaie d'appuyer sur tous les boutons possibles pour que ça aille vite. Ah mais j'ai essayé, je te jure, c'est catastrophique. Je suis sûre qu'il va s'améliorer un jour quand même, non? Ah ouais, t'as... Ah voilà! Bon, au moins, très franchement, il a quand même un peu plus de classe que l'écarlate. Parce que l'écarlate, vraiment, il roule même pas. Il marche. Tu as commandé Écarlate et tu le reçois la semaine prochaine. Oh. Qui ça? Magali. Oh, nice. On pourra te voler des Pokémon, Magali. C'est ça. Parce que tu as des Pokémon. Moi, je m'enfuis. Ouais, sors de là et essaie de m'inviter. Ah oh ouais, c'est vrai. C'était ça le projet à la base. Ouais. Le jeu, il m'a fait oublier mon objectif. Putain, mais oh, un sécateur, là.
Ah, il trouve vénère ton sécateur. Ouais, là, il est... Un sécateur. Moi, j'aime pas rejouer hier soir, du coup, tu vas trop me battre en niveau, quoi. Alors, j'ai découvert qu'il y avait un truc où on pouvait se battre ensemble. Oh, fuck it, really? En coop, c'est ça? Ouais. Donc, oh, je peux faire un pique-nique. Mais moi, je l'ai pas encore fait, hein. Bon, on verra ça, je verrai ça plus tard. Club Union. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je cache mon code. Il était genre là. Non, mais je vais pas réussir à l'attraper. Oh, j'ai créé un club. Mais pourquoi tu me parles plein de fois? Je veux créer un club. Laisse-moi tranquille, créer mon club. Voilà, vous voyez pas le mot de passe. Oh là là, j'ai bien prévu l'endroit. Hein. Ok, alors... Bon, en vrai, je pense qu'il suffit juste que ce soit rapide et ça va. Alors, je te donne le code. En fait, je le vois, moi, sur mon écran de partage. Ah ouais? Voilà, faut juste que je finisse ce foutu combat et que je réussisse à l'attraper. Oh, j'ai appris un truc nul. Mais enfin, non, je l'ai buté. Mais je te promets. T'as buté la sécateur? Ouais, j'ai un sécateur. Ouais, faut que tu mettes un petit fampi, là. Alors, allez, on descend. Oui. Ah non, elle peut pas, il faut qu'elle soit en moto pour sauter d'aussi haut. Je crois que la moto, elle aura des ailes, hein. Genre une moto qui vole. Donc, comment on fait? C'est X. Oh, je sais plus. Poképortail. Le mot de passe, c'est cornichon. Je sais pas pourquoi je trouve drôle, ce mot cornichon. Ah ouais, parce qu'on dirait deux mots. C'est pour ça que je le trouve drôle. Club Union. Oui. Rejoindre un club. Et le mot de passe. Oh putain, allez. Mais oui, allez. T'inquiète, donc... t'inquiète. J'ai appris un truc, si tu envoies un Pokémon... Attends, je vais mieux commencer ma phrase. Là, je vois bien que ça part nulle part. Si quand t'es en combat auto avec ton Pokémon, tu l'envoies sur un Pokémon shiny sans faire exprès, eh ben, il le tuera pas. Voilà. Ah. Je pense que ça rentrera en combat normal, mais en tout cas, il te pète pas la gueule des shiny, quoi. Il te laisse les capturer. Donc c'est bon à savoir. Tu trouves que c'est intelligent. Non, 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 non. Bon, là, moi, j'ai Pokémon violet. Au cas où ça se verrait pas. Avec mon overlay, avec ma caméra violette et le gros logo Pokémon violet. Et maintenant, ma moto. Salut, Zilo. Bah voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait me TP, quoi, quand j'étais bloqué. Ah ouais, ça aurait aidé, ouais. Clairement. Allez, viens, on sort notre moto. Ah ouais, attends, moi, je te fais une émote. On monte pas toutes les deux à deux. Attends, j'arrive pas, je fais une émote. Ah, je me trouve de touche. Non, je vais pas faire une photo, je vais faire une émote. Attends, je fais une émote. Attention. Attention. Ouais. Oh mais non. Je vais casser la gueule. Oh bon sang. Ok. Comment on... C'est quoi la raccourci, c'est ça? Le plus en droite, ouais. On a du coup deux légendaires uniques. Comment on sort de ce bled là? Faut passer par là? Non, attends. On n'a pas de klaxon. Oh, j'aimerais trop qu'on ait un klaxon. Mip, 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 mip. Attends, parce que je sais plus où elle est la sortie. Alors, à gauche, il y a une sortie. Sinon, on demande... Tu crois on peut demander aux gens? Alors, j'ai exprès de ne pas looter les trucs qui étaient sur les îles. Oh, mais tu peux, hein. Comme ça, on le fait en même temps. Ok. Ça va, Yoshikta? Ça va, oui. Ça va. C'est par là qu'on sent? Oui. Ça va. Ton premier shiny, ce sera un Magikarp. Mais ce serait trop bien. Et moi, je trouve, même si le Léviator shiny est stylé, je trouve le Magikarp shiny encore plus. Attends, il est doré. Un Magikarp Swarovski, waouh. Oh ouais, j'avoue, un Magikarp... comment ils appellent ça? Cristallisé. Terra cristallisé. Ouais. Et shiny, du coup, il serait et doré et cristal. Alors, tiens, hier, tu te demandais si les trucs respawnaient, les pièces de je sais pas quoi, oui. Carrément, ah, les pièces, elles respawnent. Oui, parce qu'à un moment, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la même que j'avais trouvé genre 2 heures plus tôt. C'est ça. Ah là, il y a une baie, je crois. Et je
me demande s'il n'y a pas des boulettes aussi. Alors les baies, je pense qu'elles respawnent aussi. Parce que les baies, bah, ce serait logique. Ouais, mais les Pokéballs aussi, là. Enfin, les... Ah oui, d'accord. Ouais, donc ouais, c'est juste les CT et les trucs très rares qui respawnent pas, ce qui est logique, quoi. Alors, je te montre où c'était que je m'étais coincée et tu vas pouvoir récupérer la CT en même temps. Ah non ! Tu vois la vitesse à laquelle on va ? Ouais, puis en plus, moi, je me suis dit, je vais rouler sur les Pokémon, sauf que non, ils m'attaquent. Bah ouais. Ils ont aucun humour, ce Pokémon. Ah, oh, je vais me terra-cristalliser pour un Lepidonie. Je pense que c'est justifié. Alors, il me semble que tu peux utiliser la terra-cristallisation qu'une fois et après, il faut que tu ailles te soigner. Tout à fait. Au Poké-Center, ouais. C'est pour ça que ça me semble justifié de le faire contre un gribouille level 6, là. Donc le chat, vous voyez là où je suis ? C'est exactement en bas, là. Je me suis retrouvée, je pouvais pas remonter. C'est inutile, un Magikarp. Non, c'est trop beau, un Magikarp. De toute façon, les shiny, c'est pas pour qu'ils soient utiles, c'est pour qu'ils soient là. Et d'ailleurs, j'aimais trop dans Arceus, c'est que nos Pokémon, on les voyait des fois dans une sorte de grand enclos. Aléatoirement, on voyait des Pokémon qui nous appartenaient. Et du coup, parfois, les shiny aussi, c'était trop stylé. Bon, en fait, je viens de découvrir que l'endroit où j'étais bloqué, techniquement, il y a un moyen de remonter. Mais Magikarp, mais c'est trop bien, Magikarp, Moglubine Dark, enfin. Pokémon qui nage. Là, pour le moment, on peut pas nager avec notre truc. J'ai terra cristallisé pour tuer un truc niveau 6. Ah. Ça me semblait bien. T'es où ? Ah voilà, descends tout droit à gauche. Voilà, la muraille à gauche. Je suis la muraille. Ah oui, bah ouais, la distance d'affichage est tellement immense aussi. Donc, tu vois, en gros, nous, si jamais on finit dans l'eau, on peut remonter par là, tu vois, mais il faut avoir le Pokémon qui nage. Donc toi, quand tu vas descendre là où t'es, tu l'as eu le... Je suis tombée. La TT ? Non. Putain, mais t'es sérieuse ? Ouais, je sais pas, j'ai foncé en fait, j'ai même pas visé. Ah, mais t'es remonté ? Oui. Bonjour. Descends juste sur la première plateforme là, vas-y. Ah, ouais, je la voyais pas. Attends, j'envoie mon Pokémon. Et ah, truc. Oui, mais là, il est parti trop loin, je pense. Mais il fait n'importe quoi, ce Pokémon aussi là. Ah, oh, merde. Sinon, descends un peu la pente. Bon, tant pis. Hein. Ah. Mais revoilà un. Attends, mais c'est de la triche. Moi, je te jure que ça t'a pas fait spécialement. Tu restes en bas. Je savais que ça allait te faire rager. Bon, donc ça, c'est fait. Merci. Maintenant, alors, je te montre un autre endroit, par contre. C'est là où j'ai réussi à avoir les mecs au niveau au-delà de 18. Donc, n'oublie pas, pour sauter, c'est B. Et tu le fais vraiment à la dernière seconde. Donc tu longes le mur de droite, tu longes. Ah là, les chutes. Oh, ah oui, toi aussi d'ailleurs, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends, ah, mais attends, moi, on est pas au bon endroit là ? Ah, peut-être pas. Bah attends, on va sur l'île. Ah. Super. 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 Il est très souple, hein, notre machin. Hein. C'est quoi ? On va peut-être balancer un Pokémon pour qu'il ait chaud. Je vais essayer de balancer d'abord le Pokémon, effectivement. Ça me semble être bien, même si bon. Ah, putain, il est parti dans l'eau pour aller chercher le Magikarp là. Le mien aussi, il est parti barboter dans l'eau parce que c'est un canard. Oh putain. Ouais, mais ça sert à rien. Non, merde, bon. Pourquoi j'ai cliqué sur Poképortail. Non. Bon. Oh, j'ai réussi. Ah, il est arrivé. Ah, mais c'est ridicule parce qu'en plus, il peut rouler sur l'eau le truc. Hein. Mais oui. Et puis, bah, à chaque fois, ça fait pas d'animation, juste écran noir et adieu. Ah non, mais c'est pas drôle, par contre, le jeu, tu me fais pas respawn ici. Hein. Non. Oh, t'es tellement un centimètre. Non, mais non, j'étais montée, puis là, j'ai reculé. Puis ah, t'as reculé dans l'eau. Mais oui. Oh, eh, les animations mais sont... C'est abusé, c'est franchement ridicule. Juste pour une foutue truc dans l'eau, là. Ah, ça lag. On rappelle. Quand tu joues sur Pokémon Go sur tel et que t'en croises partout. Alors, mais ça, c'est très bien, Hemoglobine Dark, parce que comme ça, tu peux faire level up ton Pokémon. Parce que, genre, Magikarp, il faut 400 trucs pour le faire évoluer, 400 bonbecs. Donc si t'en croises, tu mets des bonbons pour multiplier les bonbons, TMTC, la belle, hein, et hop, comme ça, bah, tu peux faire évoluer. C'est comme ça que j'ai eu un Magikarp Stylax. Si j'en ai pas croisé autant, j'aurais jamais eu mon Magikarp, moi. Tu vois, ah, si je veux dire... Sortir. Je vais NTP, hein, parce qu'il faut que je me soigne, de toute façon. Donc rejoins-moi au soin. Oh non, il m'a mis une baffe. Pourquoi il dit super efficace alors que ça lui fait rien ?
Mais le jeu, il se fout de moi. Hein. Arrête, l'Axoloto, c'est pas drôle. Moi aussi, j'essaie de te tuer. J'arrive, je te montre l'endroit où je les ai lootés, les gars. Oh non, je suis empoisonnée. Mais finalement, est-ce que ça sert vraiment... Ça dégoûte. Enfin... Ouais, soit t'essaies d'attraper des niveaux 19 ou 20, et je te les montre, soit on va directement aux arènes, comme ça on pourra looter un peu. Ouais, moi ça me va. L'arène ou... Après, je sais pas si on... Ah, j'aimerais trop qu'on puisse faire l'arène à deux, mais j'imagine que non. Bon, on va voir. Bon, c'est pas grave sinon. Mais oui, progresser... ne pas spécialement, ouais, logiquement, voilà, c'est ça. Parce que les jeux Pokémon, quand on brûle les étapes, après, il n'y a plus aucune difficulté, c'est un peu dommage. T'es parti, du coup, tu t'es TP au centre de soins ? Oui, je suis au centre. J'y vais aussi, parce que de toute façon, mon Pokémon est empoisonné. Bah, ouais, j'y vais très très vite. Ouais, ouais. Attention, hein. attention, hein. Si t'es sur mon chemin, attention, bouger du chemin, je ne contrôle plus mon véhicule. Je me suis prise une barrière. Attention! Attention! D'accord. Oh, finesse. Ok. Je pensais qu'au donc... moins ça me bloquerait, tu sais, mais non, même non, pas. Non, non. Alors, il y a que les petits PNJ là qui te bloquent. Ah, les PNJ ils bloquent, hein? Ouais. Ah, le gamin de 5 ans! Et pas empoisonné! Ça aurait pu parce qu'il m'a fait une attaque que de poisson! Plutôt véhicule, bah ouais, il va trop vite. Oh, j'ai une orbe de terre. Ah oui, bah oui. Alors attends, je vais regarder combien de balles. J'ai pas de klaxon, alors je vais le faire à la voix. Achète des Pokéballs parce que si tu trouves sur des chemins des trucs. C'est vrai que j'en ai pas racheté. Acheté. Cher encore. Hein. C'était bien l'époque de. Comment ça s'appelle D'Arceus. Pouti. Ah oui, on pouvait crafter. Ouais. Il était bien Arceus, hein. J'ai vraiment aimé moi. Tu peux pas t'acheter les Super Bowl malheureusement. Mon copain, c'est trop demandé. S'il te plaît. Un des deux. Merci. Mais c'est mon carbu. D'ailleurs, en parlant de carbu, moi aussi. Ah, il faut, là. Oh, non, mais j'ai plus de thunes. Qu'est-ce que je fais? Moi, je dépense tout en truc au pif. Mais c'est ce que je t'ai dit, là. T'as acheté des fringues et tout, des trucs inutiles. Eh, c'est pas vrai, j'ai acheté un bonnet. Inutile, non. J'ai pas froid aux oreilles, je te ferai signaler. Toi, t'as un petit peu froid aux oreilles. On dirait que tu vomis. Ah. Ok, donc c'est où la mission là? Tu sais où c'est toi? Bouin. Je vais tenter. Je vais regarder ce qui a été écrit sur la carte. En fait, moi j'ai plein de logos sur la carte et je sais pas ce qu'ils signifient. Ils sont affreux les uniformes, dis donc. Oh, mais attends, je t'ai pas dit. J'ai looté. J'ai attrapé le fameux Pokémon qu'on cherchait hier. Oui, le petit oiseau. Alors non, oui, il y avait le Tarsal. Oui, aussi. Et finalement, je n'avais pas attrapé le petit Ravi. Je pensais que je l'avais, mais je ne l'avais pas, donc je l'ai attrapé. Ah. L'oiseau, c'était qui l'oiseau? Non, je ne l'ai pas. L'oiseau électrique. Ah bah non, ma foi. Oh, je vais mettre une nouvelle... Je vais mettre la coque... Martius. Pas d'oiseau électrique. Mais j'ai un flambi là, ou je sais pas quoi, un bambi. un flambi. Je sais pas trop quoi. Tu m'écoutes pas d'ailleurs, c'est relou. Alors attends, je cherche toujours comment faire apparaître la carte. Je te promets, je cherche c'est ça activement. Y. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. De rien. Réori. Alors, oh là là, mais j'ai plein de trucs sur ma carte. Ah oui, il y a plein de trucs. Hein.
Ça, c'est quoi, par exemple? Vivaldin, oui, je crois que c'est ça, mais moi, je connais pas les noms des Pokémon. Oh, Vivaldin, c'est le petit fan. Ouais, le fan. Oh, il est trop beau. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'étais un peu over the top avec l'apéro, et j'ai vu le Bambi, enfin, j'ai voulu l'appeler Bambi, et j'ai dit Flambi. J'ai resté comme ça. Voilà, lui, là, Vivaldin, c'est ça. Ah, c'est la reine de Sevarou. Et c'est où, Sevarou? C'est au sud. Après, il y a plein. Ah non, mais il y en a d'autres. Mais attends, comment on sait quelle arène est la première? Parce qu'en fait, j'en vois partout des arènes. C'est quel symbole, l'arène? C'est la plante? En fait, je vois. Les points d'exclamation, on tue des têtes et il me dit ce que c'est. La voix d'humaine, arène Sevarou. Quand tu dézooms et tu vois. Hera, championne de l'arène Sevarou. Ah, premier badge. Premier badge, c'est à Sevarou, c'est ça. Ah, mais moi, je sais pas où tu vois ça. Hein. Des têtes, moi, j'ai pas de tête. Attends, parce que regarde de plus, ah, voilà. C'est loin. Regarde de plus loin. Je te suis, moi. Définir comme destination. Hop, ok, j'ai défini comme destination. Du coup, c'est bon? Ok, c'est bon. Nature, on voit la couleur qui n'est pas la bonne. Comment ça? Ouais, comment ça, là? Les shiny, ok. Ah, les shiny. Oui, les shiny, on les voit dans la nature. Et du coup, si on croise toutes les deux un shiny... En fait, non. Là, s'il y a un shiny capa, on le verra toutes les deux, ce sera la première qui l'attrape. Alors, je sais pas trop, parce que je crois que c'est ce qu'ils appellent le fameux raid. Et je l'ai croisé tout à l'heure, mais je l'ai pas fait parce que j'attendais que tu sois là. C'est là où on peut se battre ensemble. Ah, ce serait bien. Ouais, pour attraper des Pokémon un peu plus spéciaux, comme dans Pokémon Go quand tu fais des raids, quoi. Alors, où est le chemin, par contre? Parce que je vois que c'est par là, mais il m'indique pas de chemin. Il me dit juste c'est par là, sauf que par là... c'est que de la falaise, en fait. Ouais, je t'ai perdu. Oui, t'es barré. Je crois qu'il faut qu'on traverse la ville. Je vais regarder sur la map. Et où est-ce que t'es parti? Ah, tu crois qu'il faut pas... Ah, peut-être... Ah oui, tout à fait. Oui, 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 faut aller au cœur de la ville et après, vers la gauche, il y a une entrée, il y a une sortie. Mais non, sérieux? Je te promets. Bon, bah la première arrivée, hein. Go. Alors avant, je regarde... la première arrivée. À l'heure, quoi. Ah, il y a un trou, là. Y a quoi, là-bas, il y a attends, je temps. Regarde si je vois pas mon Pokémon. Non, il était ici, je crois. Hein. Mais je le vois pas. Ça dégoûte, il est mignon, ce petit oiseau. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Attends, il y a une petite baie. Je sais pas comment descendre de mon machin. Voilà, c'est où j'ai pris une petite baie. Ah non, c'est un petit champi. Ouh, ça va trop vite. J'en ai du vent dans les cheveux, presque. Non, mais franchement, ce serait bien qu'on découvre comment aller plus vite. Peut-être c'est parce qu'il est pas en forme. Oui, il a dit qu'il est pas au maximum de ses capacités, il a dit. Parce que là... il faut peut-être un peu de carbu, quoi. C'est à allure et kiwi, hein. Et pouette, pouette. Let's go. Franchement, on devrait peut-être courir, ça peut être plus rapide. On fait la course. Attends, viens, vas-y, on va tester. Arrête-toi. On va voir. Voilà, je suis là. On va voir jusque au palmier, tu sais, qui est pile en face de nous, là. Mm-hmm. Allez, 3, 2, 1, go! Ok, bon, salut. Bon, il y a quand même une différence. Ah, t'es pas encore arrivé. Bon, d'accord, t'es arrivé. Bon, c'est pas par là. Viens donc. Attends deux secondes. Viens donc et mange ton cake. Alors, on monte moi, les... Des clémentines du jardin, il y a 15 milliards de pépins, c'est horrible. Mmh. Je t'ai perdu, je sais pas où t'es. La grande place centrale. Je crois que c'est depuis là. Donc, faut juste monter les grands escaliers ou monter des escaliers vers la place centrale. Ah, et toi, t'es dans les ruelles sombres. Toi, tu vas te faire inquiéter, ouais, toi. Ouais, je me suis trompée. Il y a un match chopper, elle va tomber dessus. Non, mais en plus, j'avais lu ça. Tu sais que quand j'étais perdue, là, j'étais coincée. Oui. Je disais sur internet si quelqu'un avait déjà eu ce cas de figure et t'avais un gars qui disait vas-y, je suis coincé entre deux bâtiments dans une ruelle, j'arrive pas à sortir. ça aurait pu m'arriver hier, ça. Oh non. Ah, okay, sinon, j'achète. Tout en haut. J'ai dit un peu à la place centrale. Ça ressemble pas trop à une place centrale là où t'es. C'est la grande place. Mais... Sauf que je crois que c'est là où il faut aller, non? Bah, en fait, c'est qu'à la place centrale, t'as la séparation des chemins et t'as les différentes portes où tu peux sortir. Ouais, et dans la finalité, tu vas où? Alors, en finalité, j'ai beaucoup tourné en rond, j'ai tourné à gauche. Ouais, peut-être. Je suis allé
pas allé au bon endroit. Mais une fois en fait devant moi, là les paillettes, je crois que c'est ça l'espèce de fameux Red et peut-être Shiny même. Il y a des Red Shiny ? Bah je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Vas-y, mais je suis où là ? Putain, c'est où le bon, chemin ? Bon bah voilà, je suis à la porte. Mais non, sérieux ? Bah oui. Et c'est pour ça que je donnais rendez-vous à la place centrale pour qu'on puisse aller après à la bonne porte ensemble. Mais je pensais que j'y étais moi. Putain. Alors. Téléporte-toi. Oh non, ça va me mettre dans le village à l'extérieur, non ? Tu peux téléporter ici, c'est sûr. C'est vraiment mieux que je te vois pas sur mon GPS, par contre. Comment se trouve le multi ? Bah, Ori, ça se passe comme ça, quoi. On se voit pas. On se cherche. On se voit, mais... Attends, je suis sur la place. Ah, oui, c'est bon. Attends. Va au niveau de la place ? Non, il faut que tu mettes vraiment sur la place même. Relou, ça. Je t'y rejoins et je te montre la voie. Je te montre la voie de la raison. Oui. C'est par là. Voilà. On est trop les racailles de la street. Non mais j'ai trop envie qu'on aille plus vite là, c'est tellement lent. C'est vrai que c'est un petit peu agaçant. Et ensuite la porte elle est genre, tu vois, à peu près par là, tu vois. Tu me fais tourner en rond là, putain là. Non, mais... Par là, c'est bon, j'ai retrouvé. Non mais c'est pas facile, il y a des ruelles, elles sont toutes immenses. Les bâtiments ils sont tous gigantesques alors qu'on fait 12 cm. Je ne sais plus moi. Mais sérieux, t'as pas roulé sur le gazon là? Non, moi je suis les roues. Ça va abîmer mes pneus. Moti. Oh non, Mandy, dégage. Allô, c'est Mandy. Ce serait pas mal de se tenir au courant de notre progression par téléphone. J'ai vite été partie vers l'ouest. Si tu continues dans cette direction, tu vas tomber sur Sévar, la reine des types insectes là-bas. Tu vas pouvoir défier la championne du coin. Je suis sûre que tu seras à l'inter. On se rappelle plus tard, ok, bisous. Elle m'a même pas laissé en placer une. Ça te dégoûte. C'est bon. Type insecte. Attendez, je suis en train de galérer avec mes pépins, là. J'avoue, c'est Nice qui nous dit. Non, mais les filles, arrêtez de vous plaindre avant. Au début du jeu, on ne pouvait que marcher avant d'obtenir les chances de course. Je suis sûr qu'elle court vite. Moi, j'ai acheté, mais je suis sûr qu'il court vite. Alors peut-être, mais imagine, dans le premier jeu, on aurait une moto qui va presque à peine plus vite que quand tu marches. On aurait tous râlé. Pique-nique, la dame, elle a un évoli. Bon pique-nique. Ouais, elle nous donne des... Vous avez obtenu divers ingrédients. Oh, ah ouais, du fromage, de la confiture et des fraises. Ça va tout bien ensemble, tout ça. J'ai faim. Oh, du poivre. Me reposer. Du pepper. Eh, tu veux faire un pique-nique avec moi et te reposer? Elle veut notre boule. Il y a des bébêtes ici, je crois. Oh, il y a un mouton. Et une baie. Je vais ramasser la baie d'abord. Maintenant, il y a un wet-wet. Attention, wet-wet, dans ta gueule. On a quoi, là? Ah, mais c'est... Oh, moi, je l'ai pas, le mouton. Ouais. Tu l'as eu? Bah, il est à côté. De l'autre côté. Non, mais toi, je sais même pas où t'es. Mais je suis de l'autre côté. Comment ça, de l'autre côté? Ah oui, il y en a un autre. Attends, voilà. Il vaut quoi, lui? 9. Attends, il y a pas mieux que 9? Je me suis habituée à tellement mieux. Excuse-nous. Je suis habituée à mieux qu'un vieux niveau 9. Mais c'est clair, niveau 9. Type insecte ou type insecte? Oh, c'est mignon. Vas-y, on va la. On a mis un tracteur sur son tel. Comment il a. Mais oui. Alors, je pense qu'elle a un tracker sur notre tel, effectivement, l'autre là. Effectivement. J'adore le petit rythme derrière, un peu groovy. Je le dis tout le temps, mais j'aime beaucoup. Et du coup, il est où le mouton là? C'est celui-là? Ah, c'est ici. What? Oui! Tu sais que j'en ai eu plein qui sont sortis de la Pokéball aujourd'hui. Ah, bah oui, parce que t'as été voir aussi des Pokémon plus durs. Ouais, mais bon. Eh ben oui, madame saute les étapes très vite. Que veux-tu? Oh là là, je t'entends te battre pas loin. Bon, je vais peut-être mettre autre chose en premier Pokémon que mon petit canard.
Mais celui que tu veux qui soit le plus élevé en XP. Mais pour le moment, c'est pas ma... En fait, moi, tout ce que je veux, c'est voir mes Pokémon évoluer. Parce que je suis très curieuse de savoir comment le petit chien en forme de brioche va évoluer. Comment ça, le chien? Ah oui, en... Oui, oui, oui. Enfin, en forme de... Ouais, de pain, de brioche, de truc. Quoi? Quoi fait-on évolue? Oh! Toi aussi! Je suis sûre, il va être moche, mais c'est pas grave, on l'aimera quand même. Oh, ça va! Il est rigolo. Il a un gros front, mais ça va. Carbleu. Canarbleu. Bonjour, Canarbleu. Lewis GS, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi, comment ça va? J'ai Canarbleu. Et je suis en stream avec Lox, voici le lien. Non, moi je suis en stream avec Gilo. J'ai pas de lien, mais je vous donne ça. C'est ça. J'ai pas de lien, mais Modo. Ah, mais pourquoi ça marche plus? Ça marche plus? Ah, si, ça fonctionne. Alors, au bord de la falaise, il y a des petits trucs à loot classiques, des petits trucs rouges, genre de l'huile, des conneries comme ça. Ah, rouge. Oui, tu sais, les loot rouges, c'est les loot pas ouf, c'est pas les loot tout. Ah, les... Oh là là, attends. Alors, avec la distance d'affichage, c'est pas simple, mais j'ai l'impression que là-haut, il y a un Pokémon qui a l'air foufou. Oui, oui, oui. Ah oui? Mais attends. Ouais, je suis derrière toi, je te suis. Mais sauf que, attends, parce que là, c'est quoi le vermicelle, là? On l'a ou pas celui-là déjà? C'est ma, glouton là, mon glouton là, ah, machin. Ouais, on l'a, on l'a tous les deux, toutes les deux normalement. Alors là-haut, on peut peut-être déjà monter, mais je pense pas par ici. Je prends juste la Pokéball sous l'arbre, voilà. Et toi, tu es... Ah ouais, mais on peut le balancer notre Pokémon là-haut, non? Ah, je parie que non. À chaque fois, moi, ça balance presque devant moi, en fait. Ça balance très très peu en l'air. Mais peut-être qu'on peut monter. Attends, comment on enlève cette moto déjà? Ah oui. Plus. Attends, je vais voir si peut-être on peut contourner comme ça. Ah mais il y a une autre Pokéball à côté de toi. Ouais, il y en a derrière, oui, voilà. Longe un petit peu, il y en a deux, je crois. Merci KH94 de 20. Alors en fait, même si c'est écrit KH, normalement c'est HK, il avait un autre compte. Et merci HK son... Merci HK en verlan. Mais parce qu'il parle en verlan, c'est trop un rebelle. Bienvenue à toi, c'est très gentil. Bof. Hein. Ah mince, Lewis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas réussir à... Ah, allez, bien, on tâche mieux. On se bat contre elle ou pas? Oui, hein, on lui casse sa tête. Allez. On arrive comme ça, en maintien, avec la mobilette. Bonsoir. Jade. Les pidonies. Bah alors, petit pidonie, attention, je vais me terracristalliser. En fait, je crois que je vais me terracristalliser juste pour voir. Non, ne le fais pas sur... Enfin, garde-le pour peut-être le shiny ou je sais pas quoi. Non, surtout pas, ça risquerait de le tuer. Non, je le teste. Bah, tu m'as pas dit qu'il fallait... On pouvait pas le tuer? Ah non, j'ai dit que si t'envoies ton Pokémon en auto. Tu sais, en baston automatique. Mais j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Bon, j'avoue, il est plus stylé comme ça, je trouve. Que le premier. C'est un peu danseur étoile, mais je suis sûre il va être tout fabuleux après. Ce sera un danseur étoile. Il va être tout fabuleux, ce sera parfait. Il va ressembler à une grosse poule, mais fabuleuse. Non, on change pas de Pokémon, moi je suis terra cristallisée, ma poule. Ah mais attends, y a pas un Pokémon qu'on connaît pas là-haut, là, dans le chemin? Mais si, gauche, si, hein. je pense. Je pense qu'on va... On a plein de trucs à capturer. Hein. Oh non, elle pleure. Oh non, elle pleure. C'est qui pleure? La fille là qu'on est en train de... Mais c'est normal, on a tué ses Pokémon, on n'est pas gentil. Ça là, qu'est-ce que c'est? Ça n'affecte pas Baudrive, comment ça? Comment ça? Eh, tu t'as pas Canarbello comme ça? Crocodile, hein. On en a un de crocodile ou je sais pas quoi là? Crocodile. Bah non, c'est le troisième qu'il a pris. Il a pris le troisième... il parle du troisième starter. Mais en vrai, apparemment, c'est quand même le chaton le meilleur. Ouais. Mais je te le piquerai, je te le piquerai. Il sait comment ça s'appelle, l'a transformé trop vite. Mais voilà, moi j'ai pris un poulet, je l'assume.
T'as vu, il y a du tout un cristal en face. Ouais, 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 bah ouais, je l'avais vu, mais je l'ai pas trouvé. Ouais, je t'attends pour y aller. C'est bon. Ah, merde, il s'est passé quoi là? Ok, Pokémon enregistré. Je suis attirée par le cristal. Eh, par contre, alors autant le jeu, il est pas hyper bien fait, mais quand tu te rapproches et que t'as un combat, tu vois tout en reflet, en direct parfait. Là, tu bah vois oui. pas, mais en combat, il est parfait, parfait. Alors. Bon, on clique dessus. Hein. Ouais, je clique dessus. Les cristaux brillants sont disséminés à travers la région plusieurs. De Paldea. Oh, d'accord! C'est là, effectivement, on peut faire un raid Terra Crystal. Le cristal est à Osiris. D'accord, ah, bon, merci. D'accord. On m'a dit non! Premier. Il m'a dit chais! Vas-y, viens. Osiris propose un raid. Oui! Oh là là, on participe à un raid ensemble! C'est fabuleux. Contre, changer de Pokémon, comment ça là? C'est peut-être parce que. Attends, moi je vois pas ce qui se passe. Ah bah parce que tu dois choisir quel. Si tu veux, des Pokémon en particulier pour ton raid, mais on sait même pas lequel ce sera. Ah, ce sera. Par contre, moi ça me dit pas que t'es avec moi là. Hein. Moi je te vois. Participant, t'es pas dedans là? Bah faut peut-être que... Attends. Hein? Ah non, faut que je sélectionne l'annonce, je crois que c'est... En fait, je voyais une flèche dessus, donc je pensais que j'étais déjà sélectionnée, pardon. Lors des Terra Crystal, vous devrez affronter... Okay. Non, d'accord. Donc en fait, il nous montre l'ombre du Pokémon et il nous dit, tiens, tu veux quoi comme Pokémon? Parce qu'on peut le reconnaître. Moi, je pense que ça, c'est un type insecte ou un type plante. Donc est-ce que j'ai tort de prendre Pikachu? Non, je sais plus. Bon, il est pas full life. Hein. Le mien, si c'est un insecte, j'ai des attaques vol, ce sera bien. Mais si c'est un plante, je lui ferai pas grand chose. On verra. T'en fais pas, Lewis, c'est pas grave. J'espère juste que le stream te divertira. On va penser à autre chose. Alors, il y a le chat qui pense que c'est un saut lourdeau. Un saut lourdeau, oui, ça doit être ça. Mais c'est plante, un saut lourdeau? C'est un Pokémon giga nul qui n'évolue pas et qui n'a aucun intérêt. Non, je suis pas sûre de moi. Ah, d'accord. D'accord, je... Type normal. Bon, il est ok. Mais un seul lourdeau, c'est vraiment un Pokémon sans intérêt au possible. Il n'évolue pas. Il n'est pas intéressant. Il n'a pas de type, du coup. Enfin, normal. Il y a des dresseurs qui vont nous rejoindre, apparemment. Quoi? C'est pas possible. Dégagé. C'est notre aide, hein. Ah, mais peut-être que, par contre, il remplit les slots par des... Oh là là, on est presque stylé, mais presque. Waouh! Ah, mais c'est qui ces gens-là? Je pense que c'est des gens qui ne sont pas des joueurs. Parce qu'on les a pas vus arriver, donc je pense qu'ils complètent avec des PNJ, je pense. Et qu'est-ce qu'on fait? Faut lui casser sa gueule. Mais ouais, mais il faut qu'on le capture, faut qu'on le tue, faut qu'on fasse quoi? Faut en fait. Regarde, tu vois ces barres là-haut? Faut qu'on descende la barre rouge, et après, avec la barre verte, on pourra la descendre aussi, et à la fin, on pourra le capturer. Je crois. Un truc comme ça, vite, à peu près, quoi. Oh mince, j'ai pas terrain cristallisé. Moi non plus. Moi, je peux pas, je l'avais déjà fait. Oh, je lui fais rien du tout. Il sert à rien, le... De quoi, les bonhommes? Oh, ou il me tape. Pourquoi il me tape, moi? Bah, parce que... Attends, attaque. Je vais mettre... Ah, je peux pas, Terra... Il n'y a pas assez d'énergie dans l'orbe de cristal... Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, j'ai presque compris, vite fait, à peu près. Je lui casse sa gueule! Je lui casse sa gueule! Ouh! Ah, mais il perd plus de vie que. Mais il fait roulette que sur ma tête! C'est pas sympa! Ça se passe quoi quand je meurs? Ah, tu encourages! Et après, tu pourras renvoyer un Pokémon ou le heal entre temps et le faire revenir. Ah, bah non, carrément, t'as restauration des PV! Ah, bah d'accord, bah ça va! Oh, tu joues aussi à des jeux comme Temtem? I would like to play Temtem. I'm gonna try it, I don't know when, but I want to try it. J'ai envoyé un merci, mais je sais pas où il est parti, le merci. Là. Oh, Terra Cristallise! Je peux me Terra Cristalliser! C'est vrai? Oui! Moi, comment je sais si je peux? Il te le met, ça brille un petit peu quand tu vas attaquer. Vas-y, fais attaque. Et ah, voilà, il te propose. Mais j'ai peur de lui faire trop mal. Non, non, t'inquiète. Il faut le mettre le plus bas possible et après... En fait, il faut le... aller au bout de sa part de vie, il me semble. Et après, on pourra essayer de le capturer. C'est comme les raids un peu dans Pokémon Go, je crois. Ou du coup, faut que tu battes le Pokémon avant de... Oh, je peux faire une réaction. Attaque groupée, à l'aide, merci, je gère, ça c'est bien ça. Il va mourir là, hein.
Mais c'est normal, faut le tuer. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, il faut lui éclater sa gueule. Je suis un fan de Pokémon et j'aime bien ce jeu. Mmh, ok. Là, du coup, on va pouvoir essayer de le, on va pouvoir essayer de le capturer là. Moi, j'ai pas fait Pokémon Bouclier Phoenix, c'est ça le truc. Oui, c'est ça, c'est les mêmes que dans Pokémon Épée Bouclier. Et là, on... voilà, t'inquiète pas, ils ok. Let's go. Alors, j'ai fait Pokéball. Je sais pas, je fais Pokéball normal parce que de toute façon, c'est un Insolurdo, donc même si je l'ai pas, je le vivrai bien. Ah, j'en ai vu plein des Insolurdo niveau haut de la 20, donc. Ouais. Non, mais celui-là, il se terra cristallise. Bon, tu l'utiliseras jamais en combat, donc tu t'en fiches. Mais bon. Ouais, la Pokéball Terra, truc. Ah ouais, wow, elle est en cristal, la Pokéball. Ça ferait une lampe trop stylée. Ouais. GG. On l'a eu. Et du coup, on a plein d'objets. Yes. Le même niveau que ton Pokémon. Putain, j'aurais dû prendre le plus élevé alors. J'en ai un qui est niveau 23 sur moi, je crois. Non, non, I understand, mais... Maxi Kid. It's good, it's good. I understood. Un Solourdo dos. Inclure dans l'équipe. Non, je déconne, je l'inclus pas. Faut pas déconner quand niveau même. Niveau 12, mais mon Pikachu il est pas niveau 12. Hein. Non, c'est, les... c'est ton Insolourdo qui est niveau 12. Ouais, ouais, bah. Non, non, vraiment, tu n'as aucun intérêt à l'avoir dans ton équipe. Très honnêtement, je sais pas si, à part pour troller, si quelqu'un l'a déjà eu. T'as pris la petite baie à nos pieds, là Oui, la petite baie, oui, et au-dessus, j'ai pris le petit objet. Je vais y aller à pied, je pense, comme ça, s'il y a des Pokémon et tout, je verrai bien, parce que sinon, on va vraiment beaucoup trop vite avec la moto. Non, non, c'est pas du troll. En bas, il y a des trucs. Il y a quoi en bas? Ça brille un peu. Ah. Mais j'hésite, est-ce qu'on continue le chemin ? On sera en moto. Oui, t'as raison, ouais. Il y en a deux d'ailleurs, des loots. Allez, on y go. Il y en a même encore un. Oh, il y en a encore plus bas, mais oui, mais fou le loot, fou le loot. Mais grave ! Il y a beaucoup trop de loot, c'est terrible quand t'es loot over. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On remonte ? Attends. Bah écoute, moi. Celui qui est là-bas, au fond, moi, ouais. Je peux pas, j'y vais, voilà, j'ai vu des loots, j'y vais. Et puis on verra après comment on monte. Oui. Je suis en... dans le vert. Dans le vert ? Oui. Voilà, comme ça tu me vois. Non, 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 laisse-moi mon glouton, laisse-moi. Oh non, mais il y a des loots encore plus bas. Elle est descendue ou pas? Oui. Direct. Quasiment au moment où je te l'ai dit. Ouais, un dresseur a tué. Mais ils talpaquent plus les dresseurs. Oh la vache, oh, ça rame du fion, hein, dis donc. Ils talpaquent plus les dresseurs, c'est toi qui décides quand tu les affrontes. Tu veux pas l'attaquer du coup? Si, si, juste je vois les loots, je les prends tous parce que voilà. Parce que de toute façon, je vais être obligé de rebrousser chemin en fait. Justement, en fonction de la taille du bonbon. Et à poc. Quoi ? Poils de Mustéboué. Alors, les poils, les trucs comme ça, on peut les échanger contre de la thune au magasin si je dis pas de conneries. Oh, ça sert à rien ce truc. Ah oui, j'ai compris, mon Phoenix, désolé, j'avais mal lu. J'ai compris. Oh, Pokémon. Oui, 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 non, mais j'avais mal lu la phrase entière, donc ça voulait rien dire pour moi, mais c'est moi qui avais mal lu. Ouais, alors, je vais faire Pex un autre Pokémon. Je vais mettre Tarsal. Même si j'aime bien la version féminine de Tarsal parce qu'elle est plus stylée. Je vais peut-être essayer d'en trouver un autre. Le truc, c'est que j'adore looter, mais j'aime pas consommer, donc tout ce que je vais looter, je vais jamais... Pareil, looter, pareil, totalement comme toi. Je vais être en mode, non, non, je ne veux pas les user, j'ai trop peur que d'en avoir besoin un jour. Parce que là, mon chat me dit, Phoenix me dit, les bonbons XP de taille différente, ça te donne plus ou moins d'XP en fonction de la taille du bonbon, quoi. Tout à fait, tout à fait. Du coup, bah c'est vrai, quand t'as un Pokémon bien et que tu veux un petit peu le booster et tout ça, parce que tu veux l'utiliser, genre, tu chopes un... Genre un Magikarp ou un truc comme ça, que tu veux faire Pex vite, bah... Bah c'est bien c'est quoi. C'est un truc électrique celui-là. Oh, je peux terra-cristalliser encore. Non, j'ai arrêté. Oh mais si, attends. Il peut terra-cristalliser mon Tarsal. Attends, je teste. Et on va mettre choc mental. On va voir. Oh, je teste la terra-cristallisation de tous les Pokémon. On s'en fout, on va voir. C'est de la science. Oh mais... il a d'énormes cœurs au niveau de la tête et des ailes. Ouais, c'est canon. Il se transforme en Magikka Girl. Ah, c'est
Je fais pareil IRL, j'achète des trucs et j'ose pas les utiliser pour pas les user. J'aime bien ça, j'avoue. I wanted to say that Temtem is way more better than Pokémon, and Pokémon could ever stand in the shadow of Temtem. Something like that. I understand. I never tried Temtem for now, but I know it's a... You have a really, really good reputation, and the only problem is that it's not a Pokémon. En gros, c'est ça. C'est en gros le seul truc qui fait que Temtem n'a pas encore détrôné Pokémon, c'est que ça s'appelle pas Pokémon. Mais pourquoi c'est meilleur que Pokémon ? Bah parce que déjà, ils essayent de faire une vraie difficulté et tout ça. Ce qui fait que tu vas quand même bien plus galérer que dans un Pokémon. Ensuite, apparemment, l'histoire est plus mature. On essaye moins de faire des trucs très gamins, très enfantins. Il est plus joli. Il dure assez longtemps. Et t'as plus de complexité au niveau des types. En gros, pour ce que je sais, pour maintenant. Mais je pense que ça va encore plus loin. Et t'as vraiment un délire d'essayer, genre... Tu peux pas améliorer vraiment ton Pokémon. On va dire que tu peux le faire pex, hein. Enfin ton Temtem. Mais en gros, tu vas voir quand tu vas capturer un Temtem, tu vas voir ses stats. Et tu pourras pas trop influencer là-dessus. Du coup, le but, ça va être d'en trouver un qui a des très bonnes stats si tu veux vraiment aller loin avec, quoi. Donc, t'as aussi un délire d'essayer d'avoir l'équipe la plus opti avec les stats les plus optimisées, machin, machin. Donc, bref, y a plein de trucs assez sympas. Mais j'ai pas poussé plus. J'ai regardé que un stream ou deux dessus, donc... Ah oui, et puis un délire un peu MMO, ouais. Enfin pas MMO, mais un délire un peu RPG, un peu plus poussé aussi. Donc voilà. Et je pense que vraiment, je le testerai un de ces quatre. Par contre, mon machin, il s'est fait éclater là, mon Magicka Girl. Mais non. Bah ouais, j'écoutais pas. Enfin, je suis pas attentive. Écrase face, est-ce que ça fera quelque chose? Allez, mon petit Plumeline! Avec ses petites boules en guise de main là. Cette petite paire de... couilles. La subtilité. Tu connais cette pub? Laquelle? Il envoie Tenefix, mais Tenefix c'est nul un petit peu, non? Allez, change pas. Du coup, dans mon chat, on me dit oui, mais t'inquiète, les bonbons drop assez, enfin drop à chaque combat. Ah oui, les combats de raid. Ouais. Je crois que oui, ouais. Bah c'est vrai qu'on soit, mais bon, on va avoir toujours le... En fait, on va toujours se dire non, je préfère les garder le jour où j'en ai besoin pour un bon Pokémon. Je suis sûre qu'on va se dire ça. Moi, c'est ce que je m'étais dit dans les précédents. C'est à chaque fois, je les garde pour les Pokémon où je me dis, oh, celui-là, j'en ai trop besoin. Ok, d'accord, faut que je change. C'est quoi Tenefix comme type? C'est psy? Non, c'est pas psy. Je crois que c'est psy électrique. Ténèbres électriques, je sais pas quoi. Ah, ténèbres peut-être, oui. Il y a du ténèbres, c'est sûr. En fait, j'ai le petit, le Toxizap, et c'est peut-être le plus petit, le sous-évolution de celui qui est en face. Et, Toxizap enfin, ouais. Je connais pas celui-là. Je te le montre. Patachio. C'est lui. Ah, un message plus haut. Oula, c'était Adrien Luto. Grande victoire de canard. C'est... Ah, je savais pas que c'était en référence à une pub. Je pensais que c'était juste littéralement ce qui s'était passé. Ah, il a la trouille Tenefix. Ah, il a trop la trouille d'un patachiote. Et je l'ai électrisé, il est trop dégoûté. Il aura du mal à attaquer et il a la trouille. Oui. Électrocuté. Non, électrisé c'est quand c'est pas fatal. Et une électrocution est fatale. Ah. Mais si quelqu'un est électrisé, c'est-à-dire qu'il a pris un coup de jus, quoi. Ok. Voilà. C'est une nuance intéressante. Non, non, mais c'est bon à savoir. Merci Phoenix pour les infos, j'avoue que... J'avoue que c'est bienvenu. Il a le jeu aussi, Phoenix? Ou c'est juste qu'il connaît bien? Je pense... Je sais pas s'il a le jeu, il ou elle a le jeu, mais en tout cas, il connaît les anciens. Ok. Genre, mais j'avoue que moi, par exemple, Épée Bouclier, je l'ai fait, mais j'ai oublié plein de trucs. Il est au courant. Effectivement. Lanceur fixe classique d'un air très attendrissant. La personne connaît bien. Ok. Je vais remplacer un plore, parce que bon. Je suis en train de créer mon propre Pokémon. Oh, nice.
I never tried that. But it's cool. T'as pas fini le combat là ? Tu sais que c'était une question de moins d'une minute normalement. Mais vous qui oublie ses capacités. Mais attends, il arrête pas de me dire des trucs et tout, et puis moi je lis pas. Alors, tranche R. Ils apprennent tous 15 attaques là. Non mais t'es pas obligé de m'attendre, Miss, hein, t'inquiète, hein, je te rejoins. Ah non, mais après on va se perdre. Mais peut-être. Je suis juste en train de level up là. En fait, ce qui est bien, c'est quand tu fais des attaques auto, tu récupères aussi le loot des combats et enfin, c'est pas mal. Oh putain. Arrêtez avec vos attaques sans test, qu'est-ce que c'est? Le soin qui restaure les PV au lanceur, son efficacité varie en fonction de la météo, super! Tu retiens les infos malgré toi, malgré tes envies, c'est ça? Tu voudrais pas les retenir? Je sais que j'aime pas retenir des trucs qui sont inutiles, mon cerveau il se congestionne trop après. Ah, c'est bien, comme ça tu ressortes des infos inutiles, genre tu sais qu'on produit jusqu'à 1 à 2 litres de morve chaque jour. Ah. C'est bien de retenir les infos utiles. Et inutile. C'est bon, je suis déjà partie, mince. Et moi, mais comment on sort d'ici? That's a good question. Ouais, faut que tu reviennes, moi, je suis au niveau du pont. Je reviens vers toi. Ah, je te vois de loin. Saute le chercher là, tu veux pas? A Pokémon game? Oh! Ok, I didn't... Ok. Une CT. C'est quoi? Champ herbu. Pendant... Ok. T'es déjà allé là-dessous? C'est même de l'inutilité. Allez là, putain. Non, c'est important de savoir en fait comment fonctionne notre nez, surtout en hiver. Parce qu'on a un nez qui coule tout le temps, et c'est pour plusieurs raisons. Mais il faut savoir qu'en hiver comme en été, on produit environ 1 litre, 1,5 litre plutôt de morve par jour. Oh, petite pièce. Je sais pas si t'as vu sur le panneau, il y a une petite pièce. Non, je n'avais pas vu. Versevaro. Ouais, j'avoue. J'étais trop n'y passé. Oh, il y a un Klebs encore. Ouais, mais il est niveau quoi celui-là? Tiens, je te le laisse, hein, niveau 10. Oh, je l'ai pas lui. Mais avant, je prends de la petite baie. Je veux celui niveau. Elle me prend que les niveaux. Est-ce que les niveaux peurables? Bah, il est parti? Ah, ouais, peut-être, merde. Il est parti si tôt? Bah, dis donc. Mais de toute façon, oh, t'as vu ça? Attends, il y a deux baies là. Non, mais il y a un raid là-bas. Il y a un raid, on va au raid. Attends, mais le mec, on en fait quoi? Ah ouais, j'avoue. Bah, le mec, après, lui, on peut... Enfin, on le fait avant ou on le fait après, comme tu veux. Ouais, tu prends pas 3 heures, là, pour le tuer, celui-là, il va être facile. Mais non, mais j'y peux rien, il est... J'y peux rien. Ah ouais, il est beau gosse. Ah, moi, j'ai pas la même vision que toi, moi. Bizarrement, non, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, mon écran, il en a rien... Il me met n'importe quoi. Si on va même bah oui, on devrait s'échanger les infos pour après petit combat, bien sûr. Ah, c'est parce que je voyais mon propre bonnet. Va à l'école, Simon l'étudiant, avec ta tête en poule, là. Canard below. Mais faut que je me heal, moi. Mais... Cruel. Là, je te regarde et je fais n'importe quoi, du coup. Là, je me fais laminer, bêtement. Écoute ta voix pendant que je joue. Good luck, Maxi Kid. Fire game. Dilo va plus vite. Mais non, mais c'est surtout que moi, je vais plus lentement. Chantal, tout. Cette ampoule, il est électrique. Je devrais pas lui balancer de l'électricité. Ça n'a aucun sens. Canarbello est paralysé, mais merde à... Qu'est-ce que c'est ça, dis donc? Arrête, il m'envoie pistolet à eau. Mais d'où il m'envoie pistolet à eau? Ah, c'est bon. On a suivi les mêmes cours, pourtant toi t'es vachement plus en avance que moi. Ah. J'ai suivi aucun cours, mec. J'ai littéralement fait 2 secondes de classe. Alors, le petit dogo, là, moi je trouve pas le petit dogo.
Ah, oh, mais on le retrouvera. Ouais. Tu penses-tu? Ah, il y a un Pikachu là. Bah, je le veux, tiens. Tiens. Ah, bah non, j'ai pas besoin d'un deuxième vu que j'ai un deuxième. Le petit Pichou là. Je sais pas la ah, t'as Pichou? Ah, il y a un Doggo là. Je prends le Doggo. C'est ah ouais, un quoi, Pokémon de feu? Grondog. 10, ouais. Alors, je vais attaquer, mais je sais pas ce qu'il craint. Un petit cruel, on va voir. Je suis encore paralysée. Attends, faut que je me déparalyse avant le raid. Hein. Ça va pas le faire sinon. On va tester de le capturer maintenant. Ah, mais ça passe. Hein. Pokéball. Il est que 10, ouais, donc ça devrait le faire. Oh, merci Gogetas, comment ça va? Rebonsoir. Il a dit pour le plus beau duo de Twitch Game. Oh! Oh! Mouin! J'ai pas vu ce que c'était. Ah, c'est bon. C'est un ténèbre. Sa mâchoire et ses crocs bien développés sont assez puissants pour broyer des rochers. Oh, il a l'air tout mal en point, le pauvre. J'avoue, il a pas une. Il a pauvre pas une petit pi. Oui, il a l'air tout pas bien. Je vais pas le mettre dans mon équipe, ouais, mais je verrai bien. On y va? Attends, je vais me heal avant. Parce que j'ai mon Pokémon principal qui est paralysé, c'est chiant. Oui, mais ça, au pire, s'il meurt, c'est pas grave parce qu'il revient en vie après. Bah, il est paralysé, donc ça veut dire qu'il va commencer le combat en étant tout paralysé, non? Donc ça va être chiant. Tu prends un autre et tu le mets devant. En première position. Moi, j'utilise mon antipara tout de suite, comme ça, au moins. J'en ai acheté plusieurs et une petite popo. Je me suis trompé de Pokémon, c'est pas grave. Eh? C'est quoi, soin auto? Ça veut dire qu'il peut se soigner automatiquement quand il a plus beaucoup de vie. Il va lui-même... Mais tu utilises une potion dans un sort ? Ouais, ouais. Par contre, ça va t'utiliser ça va t'utiliser ce que t'as sur toi. Dans un certain ordre, c'est indiqué. Ça me l'a dit au tout début. Ça pue la merde. Genre, ça va commencer par l'eau fraîche. Parce que bah, t'as aussi de l'eau fraîche qui heal un petit peu. Puis tel truc, machin. Partir à plusieurs. Ok, c'est bon, je cherche des gens. Alors c'est quoi là? Je sais pas ce que c'est ce Pokémon par contre, aucune idée. Je reconnais pas l'ombre. Alors le chat va nous le dire. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Juste mon Tarzal. Un petit Flampi. Flampi c'est... Flambi là? Le... Je sais pas comment il s'appelle. Flampi c'est c'est l'éléphant. Ah oui, on a eu un éléphant, ouais, niveau 20 je crois, non? 19. Mais ça, c'est pas un éléphant. Bon, bah écoute... moi, allez, je teste. Non, je vais mettre mon autre Pokémon quand même. Voilà. Comme ça. Préparation terminée. Peut-être un Pokémon de cette gène, du coup, je ne connais pas encore. Ah, okay. Cool, on va découvrir. Non, moi, j'en connais aucun. Je connais que les deux premières gènes et encore la première, peut-être. Seulement. Ah, bah c'est vrai que c'est ceux que je connais vraiment mieux. Après, bah, ça dépend à certaines générations que j'ai un peu sauté, j'ai l'impression. Du coup, je les connais pas trop. Pas trop. Tu cliques sur commencer raid. Ah oui, pardon. Voilà. Sinon, il se passe des trucs. De ça, la saison relonde pour compléter votre équipe. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des PNJ qui rejoignent. Trop d'écran blanc dans la tête. Je vais mettre en full screen. Attends. Voilà. On a tous l'écran blanc. Horrible, quoi. Ah, moi j'ai des lunettes, t'as vu? Ah ouais, t'as gaspillé ton argent. Ah, ils ont... J'avoue, je ne regrette rien. Oh, il est trop stylé, le petit ouais, crabe qui boxe. Ah, c'est-à-dire mon évolution de chat. Ah non, je l'avais déjà vu. Oui, bien sûr qu'elle est stylée. Ah, c'est quoi le flottillon? Ah, je pense savoir. Attends, ce que... information. Ouais, allez, je mets un petit aquajet, on va voir ce que ça lui fait. Oh, l'eau, ça, il a pas l'air de trop aimer. Alors, c'est peut-être un truc de plante, alors. Ah ouais. Ah non, waouh, tu l'as éclaté. Ok, c'est un truc haut, alors. Ou tu l'éclates comme ça. Oh, mais il est trop mimi. Non, mais attends, je m'en rappelle pas. Ah, pour... on peut l'attraper déjà? Ouais, ouais. Attends. C'est toi, mon attaque lui a fait lui a enlevé un tiers, et toi, tu lui as enlevé deux autres tiers. Avec une attaque. On s'en veut, Stas. C'est pas mon peignoir, c'est mon petit gilet pilou.
Ah, j'aimerais bien avoir un long peignoir comme ça, mais j'en ai pas. Mais bon, je te le dis à chaque fois, donc je sais que tu fais exprès de dire ça. Ouais. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que c'est alors, flottillon? Il est bien dans la vie. Bah, ça doit être un haut, hein. Il flotte, donc ça doit être un haut. Mais si c'était un haut, il aurait pas fait autant de dégâts. Bah, si, bien sûr que si. C'est toi, hein, le counter du type haut. C'est le type herbe. Type plante. Ah, si, si. Ah, c'est un psy, donc pas du tout. Mais c'est fou. Pokémon passe ses journées à courir dans les hautes friches. Il poursuivra quiconque lui vole les baies adorées. C'est bien adoré pour se venger. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Regarde, touchant, voix enjôleuse. Bon, ah, il a Rafale Psy hein, mais ça sert à rien, quoi. Rafale Psy, c'est bien. J'hésite. Je vais mettre à la place de mon Tarzal. De toute façon, mon Tarzal, pour le moment, il est out. Aïe, 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 qui c'est qui gagne? Qui nous dit le score du football? Super. Là, je crois sous l'arbre, ici, quelque part par là. Gilet pilou pilou. Ah, il y a en face encore trop un autre bien. Raid. Putain, je suis rentrée dans un truc là. Oh non. Dans un Pokémon. C'est... Ouais. Un truc. Tu l'avais celui-là ou pas? Oui, je l'ai eu hier. Ok. Alors, je regarde un petit peu autour de nous s'il y a des Pokémon. Oh, ici, il y a une CT, je pense. C'était une ah, attaque. Ouais. Et ici, une petite baie. Jolie plume. Ah bah, c'est pas une baie. Potion. Ça, c'est quoi? Musté, boue et jet. Je regarde un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, et vu qu'on voit mal les Pokémon quand ils sont petits. Bah, franchement, on les voit à peu près ok sur notre ordinateur, mais sur la Switch... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, y a encore c'est un trop mignon un... Comment ça s'appelle? J'ai eu un flat bébé. C'est... Qu'est-ce que c'est que ces petits machins? C'est minuscule. Mais non. J'avoue. Qu'est-ce que... Attends, mais c'est attends, une toute attends, petite attends, fleur. Je vais te montrer à mon stream. Attends, t'es où toi? Je te vois plus. Alors, je vais te décrire. Je suis à côté d'un arbre et pas loin de moi, il y a un autre arbre. Ah oui, je te vois. Attends, j'arrive. Oh, c'est trop. Là, j'ai vu un petit truc qui flottait dans l'air. Je me suis dit, c'est un bug et j'ai foncé dedans. Non, c'était un Pokémon. Putain, je le vois pas. Il est où? Vous avez avancé un petit peu. Ah merde. Tu le vois même pas. Ah bah non, t'as un Musté Boué. Oh, mais c'est beaucoup trop pipou. Un flat bébé. Alors par contre, mon flottillon, le pauvre, il est pas bien... J'ai peur de le tuer, donc je vais tout de suite le... Ouais, chope le direct. Ouais. Non, mais moi, je le veux, la chose volante. Tu le vois même pas tellement c'est petit. Flat bébé, Pokémon Gen XY. Putain, je l'ai fait pour ton XY et je m'en rappelle pas. Ah mince, ça a raté. Oh, mais non, mais flottillon, il est mort parce qu'il était pas heal. Il était pas full... Il était pas heal après le raid. Envoie un autre Pokémon, j'envoie qui? La petite fleur là, elle a tué ton truc? Bah parce qu'en fait j'avais mis Flottillon, c'est le Pokémon qu'on vient d'avoir, et vu qu'on vient de le taper, vu qu'on vient de le capturer, bah en fait il avait un PV. Ok ouais. Oui il y a du multi, mais bon enfin ça, ouais, ça aide. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais, bon, je vais faire Volvi, j'ai peur de lui faire trop mal. Ah non, Volvi c'est très léger, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus en fait. Moi, je peux jamais le voir là, hein, le Pokémon que t'as trouvé. Ah, c'est vrai qu'il est petit. Hein. C'est vrai qu'il est tout ah, non, petit. C'est ça. Synthèse. Il est forcément c'est... dans l'air. Hein. Oui, oui, oui. Il est pas dans. Oui, effectivement, il flotte un petit peu. Mais du coup, bah, avec la distance d'affichage, c'est pas toujours. Et il était parmi des fleurs. Vu qu'il ressemble à une fleur, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être, je sais pas. Coup critique. Il m'a enlevé un PV, coup critique. Bravo. Allez, je refais un petit Volvi. C'est juste pour être sûr de pas le mettre trop... Voilà. Là, il est en orange. C'est bon, on va pouvoir faire le petit. Pendant qu'on a un petit coco qui se mêle au truc. Mais je le vois pas, moi. Mais c'est fou que tu le vois même pas sur ton écran. Il me manque des FPS, hein. Oui, il y a un petit peu de ça aussi. Un flat bébé. Bon bah celui-là il évolue c'est sûr. Il est très mignon. Si t'en aperçois un autre. Hein. Oui. Pokémon fée absorbe la puissance des fleurs et en échange il partage son énergie avec elle. Oh mais c'est... On dirait carrément que c'est un petit bonhomme accroché à une fleur qui flotte. Elle préfère les fleurs orangées. D'accord.
C'est vraiment très rigolo comme petit Pokémon celui-là, j'aime beaucoup. Est-ce que je l'inclus dans mon équipe? Pas tout de suite, je vais pas en faire grand-chose. Soyons honnêtes, je ne vais pas en faire grand-chose. Qui évolue en flotte et en florge de type fée. Ah, il a deux évolutions alors, ok. Il a deux évolutions, dit le chat, confirme en tout cas. Cool, cool. Bah, je vais faire très... Maintenant que je sais à quoi il ressemble, je vais faire très attention. Je... C'est juste que bah, avec la distance d'affichage, forcément, vu qu'elle est pas terrible, bah, des fois, tu les vois un petit peu au dernier moment. Le raid doré. Yep. Oh, la vache. Ça rame un peu, quand même. C'est le gazon. Oui. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'as vu? C'est un miaou shiny! Non, mais tu déconnes. Ah non, c'est un Miaouss terra cristallisé. Ouais, j'aurais préféré un shiny. Là, bah j'ai pu l'avoir aussi. C'est vrai? Ouais, il est peut-être en scénarium celui-là. Pendant qu'il est terra à 1, vous devez donc faire baisser les PV afin d'annuler sa transfo. D'accord. Et moi, oh, je veux Miaouss. Attendez, mon écran. Gazon, il y arrivait quoi? T'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce... Rendez-moi mes pixels. Non, rendez-moi mes pixels, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que bon, c'est censuré. Alors... Ok. Allez, petit aquajet. On va voir. Super Dauphin est super fort à skip. Bah, le truc, c'est que moi, mon starter, c'est déjà un Pokémon O. Faut en prendre deux. Pff, bon, après, on aura vu plus aberrant. Hein. Mais faudrait qu'il ait un autre type si c'est juste Dauphin. Enfin, j'ai tout le monde qui regarde, il y a toi à côté de moi, il y a un écureuil, il y a un Pichu. Oui, oui, il y a, ah, il y a toute la... Oui. Je vois même un petit truc qui pleure au loin, là, qui fait des petits trucs. C'est Pichu. Mais moi, il est tout censuré dans mon écran, je vois rien, tu sais. Mais il faut que je le tue ou pas, là, j'ai pas... Ouais, ouais, t'inquiète pas, vas-y. Attaque-le autant que le jeu te le propose, et après, il va te... Une fois qu'il sera plus en terra cristallisée, tu pourras l'attraper. Il va pas mourir tant qu'il est en terra cristallisée, je pense. Faut que... Ah, voilà. Mais non, je l'ai pas tué encore. Bah, c'est bon. Attends, je vais le choper là. Il n'y a pas assez de shaders en jeu, oui, c'est vrai. Bon, on a un Miaouss terra cristallisé, c'est trop cool. Quoi, tu l'as chopé là déjà? Ouais. Attends, imagine. Oh, c'est bon. Mais t'inquiète, tu vas là. T'inquiète pas. Alors, vibre à quoi? Ah, je le prends direct. Contre quoi je l'échange? Contre un Greymon? Moi aussi, j'ai bien envie de le prendre. C'est plus bas level que j'ai, quoi. C'est juste normal. Oui, c'est juste un type normal, Miaouss, ouais. Putain. Ça me gonfle de changer contre mon Granivol niveau 19. Moi, je pourrais le changer. Oh non, je le laisse en... pour le moment. J'utiliserai si j'ai besoin de thunes. Mais pourquoi? Parce qu'il a une capacité qui s'appelle Fortune, je crois. Où en fait, il va multiplier les récompenses de sous que t'auras lors des combats contre des dresseurs. Et du coup, bah, parfois quand tu fais de la chasse au shiny, t'as besoin de beaucoup de Pokéball, ça peut être pas mal. Non mais Rongourmand, dégage! Je sais pas si je regrette ou pas de le mettre dans mon équipe là. Oh, moi je veux le petit Vivaldin là, il est trop beau. Mais Toxizap aussi, j'ai pas, ça dégoûte. Ah, mais Toxizap... D'accord, je vois lequel c'est. J'ai même pas besoin de leur enlever de la vie, ça dépend. Tout à l'heure, j'ai cru avec un tout petit Pokémon niveau 10, et en fait, il a quand même résisté à la capture. Donc, mais là, pour le Miaouss, vu qu'il est terra cristallisé, on n'avait pas le choix d'essayer de le vaincre pour casser sa terra cristallisation et pour après vouloir pouvoir le capturer. Parce qu'on peut pas les capturer tant qu'ils sont en cristallisation. Moi, la poitrine. Oui, je suis en train de looter un petit peu plein de choses autour, là, je regarde. Et j'essaie de faire attention. C'est une CT quoi? Une CT, c'est voix angeleuse. Voix... Ah ouais, c'est ce que j'ai. Je vais le faire un peu level up, là, parce que ça me fait chier qu'il soit ce niveau. Moi, j'aimerais bien heal un petit peu, là. Parce que j'ai un de mes Pokémon qui... En fait, ceux que je veux faire pex, ils sont trop bas et du coup, ils meurent vite. Putain, il est faible, là. Tu es faible. Bah ouais, mais... Il prend des coups, il devrait pas.
petite paix. Je vais aller vers la cascade, on va voir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un what-what. J'ai suivi un peu la falaise. Ah, une petite pièce. Ouais, je comprends vraiment rien à ce que c'est ces trucs. Oh, il y a une CT. Oh, une pièce tasse. Je sais pas, on dirait qu'il y a un passage derrière la falaise. Ah, je sais pas ce que c'était. T'as vu? Attends, je vais essayer de revenir vers toi. Il y a un truc à loot là-bas. Ouais, mais c'est que même quand on n'est pas loin, on se voit pas, quoi. Non, mais j'ai vu où elle était la chute. Ah oui, d'accord. Vas-y, mais miaou, tu pues la merde, en fait. Ah, c'est pas le Pokémon le plus fou, ouais. Il est stylé, mais... Il faut lui apprendre des trucs. Ah, mais non, le trou, c'était de l'autre côté. T'as regardé sur le caillou, il y a une petite pièce. Non, je vais voir. Ah ouais. T'as pris la pierre dure, hein? Ouais, enfin moi j'ai une pierre stase. Ah. Et du coup, je regarde en même temps sur ton truc et c'est vrai que parfois, on n'a pas tout à fait les mêmes loots. Même si on dirait que c'est toujours dans le même type de loot, mais on n'a pas forcément le même. Bon, allez où la petite... Y a pas la petite fleur, là? Je regarde quand même près des fleurs, en fait, vu qu'il était au niveau des fleurs. Et il aime bien les fleurs oranges. Il aura bien pas retrouvé un moment. Vie. Ouais, faut qu'on remonte. Tiens, vas-y, éclate ce truc, là. Ça aussi, tu peux les... Oh non, il est parti. Ok, c'est ça. Oh non. Je connais déjà. Ça, là. Tu peux, non? Un Pikachu! Un petit shaky pop! Attends, faut que je change de chaîne. Bref, hein, faut que je fasse ça. Ah, ça marche pas! Attends, non, rien, on m'a demandé un petit shaky pop. Voilà. Déjà forme 3? Bah, après, en fait, si tu joues. Si tu explores moins et que tu fais beaucoup plus. Tu fais plus de combat, franchement, tu vas assez vite pour faire évoluer ton starter. Hein. Je suis en train de remonter là. Honnêtement, c'est juste que bah, nous, on se focalise beaucoup sur l'exploration et sur la collection de Pokémon. Voilà, après, si déjà t'as le temps de jouer pas mal et qu'en plus tu te concentres un petit peu sur le combat, ah oui, hein, franchement, tu fais évoluer ton Pokémon principal assez vite. Bah, regarde, par comparaison, j'ai fait une heure de jeu de plus que toi. Mm. Mes Pokémon, ils sont niveau 18. Bon, 23, c'est parce que j'ai looté plus haut. Mais... 20. Voilà, mon starter, il est niveau 20. Ok. Moi, niveau 16. C'est quoi ce truc? On dirait une brique dans un caca. On dirait un champignon avec un tofu sur la tête. Il s'appelle Célutin. Ah, mais si je lui fais de l'eau, il va mourir. Attends, et si je lui balance... Je vais faire écrase-face. Il va mourir ou pas? Vas-y, essaye. Ah oh, oui, non, mais là, c'est pas très efficace du tout. Oh, coup critique! Il m'a critiqué. À tous ceux qui critiquent mes Pokémon. Jette terre. Mais arrête de crit. Hein. Ok, let's go. On capture. Enfin, on essaye. Il est loin le centre Pokémon là pour nous soigner. Je suis partie au centre parce que mon Miaou aussi pue la merde. Ouais, je vais y aller aussi. Je sais pas si je devrais continuer à le up en fait. Il est juste trop loup, non? Paf. C'est pas les Pokémon les plus intéressants. Hein. Il est mignon, hein, mais. Alors, c'est lutin, c'est un Pokémon de roche. Son corps s'effrite au contact du sol et laisse du sel. Ah, c'est du sel! Dans son sillage, mais comme son organisme en produit constamment, il se régénère sans mal. Ah, comme Jox, produit du sel constamment. Oui. Ah, il y a du Pokémon miel sur moi. Ah oui! Tu l'as pas?
Oui, je l'ai pas, ouais. Pokémon pas miel, c'est moi, mignon. Il y a un deuxième. Oh, il y a la mer miel aussi. Oh, bah ça, c'est un peu rare. Un petit peu. Pas énorme, ah, un petit peu. Attends, je l'ai vu en première, la mer miel. Vas-y, vas-y. C'est que les femelles. C'est que les femelles qui peuvent évoluer en reine des abeilles. Donc, voilà. En fait, je dis pas. Oh non, il va buter mon... Ah non, c'est bon. J'espère qu'elle sera encore là. Hein. Merde, il s'est échappé. Mais quand ça c'est qu'il s'est échappé? Il est mignon, mais tout petit breton. Tout à fait. On est représenté par un canard. Mais il est bien, mon canard. C'est un canard qui fait de le danseur étoile, là. Tu cries pas, mon canard. Bah, si je fais pic-pic, ça va le tuer. On va voir. Ça me termine, comment tu connais pas les noms? Mais non, je connais que la première gêne. Non, qu'est-ce je l'ai one-shot. Je voulais pas le one-shot. Mais moi je l'ai tué aussi. Ma petite plumeline. Je vais aller me heal avant de continuer. J'y vais vite fait. Parce que j'en ai marre. Et je vais faire une petite. Ouais. Je vais aller faire une petite pause pipi. Vas-y, va. Bisous la VOD. Je refais peut-être une après. On verra.